أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالإخوة الكرام، قناة ابن أجرم تقدم لكم هذا الدرس الذي يتعلق بأحوال البناء، أحوال بناء الفعل الماضي. Donc nous allons voir dans ce cours-là, c'est le deuxième cours de النحو الواضح. Les différents cas du bina, c'est-à-dire que lorsque le fi'l il est mabni au passé. Donc nous allons lire les exemples. Ishtadda al-bardu, donc le froid s'accentue et est rude. Thar al-ghubaru, donc les poussières s'éparpillent. Nazal al-matar, donc la pluie tombe. Al-awladu la'ibu, donc les enfants jouent. Ar-rijalu safaru, donc les hommes voyagent. Al-ummalu ta'ibu, donc les travailleurs se fatiguent. Fatahtu al-baba, j'ai ouvert la porte. Talaqaftu al-kurata, donc j'ai saisi le ballon. Akhadhtu ja'izatan, donc j'ai pris une récompense. Sadaqta fi qawlik, tu as eu raison dans ta parole. Adalta fi hukmik, tu as été juste dans ton jugement. Ahsanta ila an-nas, donc tu as été bon envers les gens. Albanatu ta'allamna al-hiyaka, donc les filles ont appris al-hiyaka. الأمهات أطعمن أولادهن, donc les mères ont donné à manger à leurs enfants. الفتيات رتبن المائدة, donc les filles ont rangé, ont disposé la table pour pouvoir manger. خرجنا إلى الحقول, nous sommes sortis donc vers les champs. Istanchakna al-hawa'a al-naqiyya, nous avons donc respiré l'air pur. Qatafna al-azhara, nous avons cueilli donc les roses. Al-bath, idha nazarna fil amthilati al-mutaqaddima, donc si nous voyons donc les exemples qu'on vient de citer. رأينا أن كل مثال فيها يشتمل على فعل ماضي. On voit donc dans tous ces exemples-là que toutes ces phrases-là sont composées de verbes au passé. وقد عرفنا في درس سابق أن الأفعال الماضية كلها مبنية. Et donc nous avons vu donc dans un cours précédent que tous les verbes au passé sont mabni. Hein? فالأفعال التي في هذه الأمثلة إذا تكون مبنية. Donc tous ces verbes là, tous ces verbes au passé qu'on vient de citer, ils sont tous مبني. ونريد أن نعرف في هذا الدرس أحوال بنائها. Et donc nous allons voir dans ce cours là tous les états, les différents états du verbe au passé lorsqu'ils sont مبني. لأجل ذلك نتأمل الأمثلة الثلاثة الأولى. Donc nous allons méditer, réfléchir sur les trois premiers exemples. فنرى الأفعال الماضية فيها وهي اشتد وثار ونزل. Donc les trois verbes اشتد وثار ونزل لم يتصل بآخرها شيء. On voit donc dans ces trois premiers verbes là qu'ils ne sont pas connectés, ils se connectaient à rien du tout. D'accord, sont tout seuls. Ishtadda, Thara, Wanazala. Il n'y a pas de damir qui sont connectés avec ces verbes-là. Wanara anna akhiraha maftouh walaw tatabana al-fi'l al-madi alladhi lam yattasil bi akhiri shay fi ayy tarkibin ra'ayna akhirahu maftouhan. Et donc on voit, on en déduit que les verbes au passé, lorsqu'ils ne sont pas connectés, lorsqu'ils sont connectés avec aucune particule,
ils finissent par une fatha, ishtadda, thara, nazala. Ok. وبذلك نستطيع أن نقول إن الماضي يبنى على الفتح في هذه الحال. Et donc dans ce cas-là, lorsque le verbe au passé n'est connecté avec aucune particule, ishtadda, thara, nazala, on dit qu'il est mabni ala al-fath. Ok? Donc de ce cas-là, on va dire que c'est un fi'l madi mabni ala al-fath. Wa idha ta'ammalna al-amthila al-thalatha al-thaniya. Donc si nous méditons sur les trois exemples qui suivent. رأينا أن الأفعال لعب وسافر وتعب قد اتصل آخر كل منها بواو تدل على أن الفعل صدر من جماعة الذكور. On voit que ces trois verbes-là, on va revenir sur les exemples, لعبوا سافروا تعبوا. Là, ils sont connectés avec واو. Car c'est sa troisième personne du pluriel. Al-awladu la'ibu, al-rijalu safaru, al-ummalu ta'ibu. Troisième personne du pluriel masculin. Wa ra'ayna dhalika al-akhar madmouman. Et on voit qu'il se termine par une dhamma. La'ibu ta'ibu. ولو أن تتابعنا كل فعل ماضي اتصلت به واو جماعة لوجدنا آخره مضموما. Et si on regarde tous les verbes qui sont connectés avec la waw jama'a, on voit qu'ils finissent tous par une dhamma. OK. ومن ذلك نعلم أن الماضي يبنى على الضم إذا جاء على هذه الصورة. Donc si le verbe au passé vient avec se présente sous cet état-là, c'est-à-dire qu'il est connecté avec waw al-jama'a, on va dire qu'il est mabni ala dham. OK. Donc ça c'est le deuxième cas parmi tous les cas qu'on va voir aujourd'hui. Premier cas est mabni ala al-fath lorsqu'il est connecté avec aucune particule. Deuxième cas, il est mabni ala dham lorsqu'il est connecté avec waw al-jama'a. وحين ننظر إلى الأفعال الماضية في باقية الأمثلة. Et lorsque nous voyons donc tous les verbes au passé qui restent, نرى أنها اتصلت مرة بالتاء متحركة. On voit qu'ils sont connectés avec تاء متحركة, comme l'exemple ici là. فتحت الباب, ici تو. C'est ce qu'on appelle ta mutaharrika. Donc il est connecté. Là, le verbe, il est connecté avec ta mutaharrika. Fatahtu. Wa marratan binun tadullu ala jama'atil inath. Et on voit aussi qu'ils sont connectés avec le nun ici là. Albanatu ta'allamna. Ce qu'on appelle nun al-niswa. D'accord ? C'est la marque du féminin. Là, c'est la troisième personne du pluriel féminin. Al-banatu ta'allamna. C'est ce qu'on appelle nun al-niswa. Donc, lorsqu'ils sont connectés avec tam wa taharrika, nun al-niswa, wa tusamma nun al-niswa, wa ukhra bi kalimat na, ad-dallatu ala al-fa'il. Troisième cas, lorsqu'il est connecté avec na al-fa'il, kharajna, nous, ila al-huqul, nous sommes sortis. Vers les champs. D'accord. Kharajna. Nara akhara kulli fi'l minha sakinan. Et on voit donc que lorsque les verbes au passé est connecté avec tam wa taharrika, comme fatahtu, ou bien nun al-niswa, comme ta'allamna, ou bien na al-fa'il, comme kharajna. ولو أننا تتبعنا جميع الأفعال الماضية التي اتصلت أواخرها بالتاء المتحركة أو نون النساء أو الناء الدالة على الفاعل لوجدنا أواخرها ساكنة. On va voir que
tous ces verbes au passé lorsqu'ils sont connectés avec nous, nan niswa ou bien na al fa'il ou bien ta mutaharrika, ils finissent par une sukun. Fatahtu, fatahtu, kharajna, ta'alamna. Ils finissent tous par une sukun et ils sont connectés donc avec soit ta mutaharrik, na al fa'il ou bien nun an niswa. ومن ذلك نعلم أن الماضي يبنى على السكون في هذه الحالات. Donc lorsqu'ils sont connectés avec ces trois types de dhamair, on va dire qu'ils sont mabni ala sukun. OK. Donc al-qa'ida al-fi'l al-madi yubna ala al-fath illa idha ittasalat bi waw al-jama'a fa yubna ala al-dham aw ittasalat bi ta al-mutaharrik aw nun al-niswa aw na ad-dallatu ala al-fa'il fa yubna ala al-sukun. Donc le verbe au passé, il est mabni ala al-fath lorsqu'il est connecté à aucune particule. Sauf s'il est connecté avec waw al-jama'a, on va dire qu'il est yubn, on va dire qu'il est mabni ala al-dhamm. Ou bien lorsqu'il est connecté avec ta mutaharrik comme fatahtu fatahta fatahti aw nun al-niswa comme fatahna ta'allamna par exemple, ou bien na addallatu ala al-fa'il fayubna ala al-sukun. Donc dans ces trois cas là on va dire qu'il est mabni ala al-sukun. OK, on va voir un exemple d'arabe. Qara'na fi'lun madi mabni ala al-sukun. OK, vu qu'il est connecté avec nun avec na al-fa'il, qara'na, on va dire qu'il est mabni ala al-sukun. Et na, on va dire que c'est fa'ilun mabni ala al-sukun. Parce que le na, sous-entendu, il y a une sukun au-dessus du alif. Donc on va dire que c'est fa'il mabni ala al-sukun. Wal-kitab, qara'na mada, mada qara'na, maf'oulun bih, mansoub bil-fatha. Donc, kitab, il subit l'action de la lecture, donc c'est maf'oulun bih. Et le maf'oulun bih, on a dit qu'il était toujours mansoub. Okay? Et dans ce cas-là, il est mansoub bil-fatha. إذن نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.